Bonjour tout le monde, c'est Maddy. J'espère que vous allez bien ce samedi 10 août. Merci aux nouveaux venus, merci aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Donc, quelques consignes pour vous. Faites très attention dans vos commentaires, puisqu'on va être de plus en plus surveillés et réprimés. Voilà. Donc, ne marquez pas en toutes lettres certains mots sensibles ou certains noms, s'il vous plaît. Faites attention, parce que je vais être obligée de jouer le père fouettard, ou plutôt la mère fouettarde, malheureusement. Et de supprimer vos commentaires si vous ne les modifiez pas. Sachez effectivement que nous sommes surveillés, que je n'ai pas envie de me faire striker ma chaîne. Merci de votre compréhension. Soyez aussi sympa dans vos commentaires, s'il vous plaît. Les temps qui viennent vont être difficiles et il faut rester unis. Voilà. Alors, je vais partager la vidéo d'un monsieur qui s'appelle Alexandre. Et qui invite tout le monde à prier. Je trouve ça super bien, vraiment très très bien. Je vous invite aussi tous et toutes à pratiquer la prière avec le cœur, évidemment. Et évidemment aussi à faire le chapelet, puisque ce sont des armes, des instruments même efficaces contre la guerre, ou pour plutôt pour la paix, on va dire plutôt comme ça. Oui, ça fonctionne, hein. Bah écoutez, quand même, la guérison spirituelle, ça fonctionne. Donc ça veut dire les gens qui prient, par exemple, pour la guérison d'autres personnes. Mais c'est valable aussi, évidemment, pour, eh bien, pour demander la paix. Et la paix, on en a besoin. Je vais vous faire une vidéo sur ce qui se passe en Angleterre. Je vais vous faire une vidéo sur la cérémonie de clôture. On va voir un peu ce qui sort. Mais là, aujourd'hui, là, là, maintenant, là, tout de suite, je vais vous faire une vidéo sur la disparition de deux touristes françaises. Alors, vous avez dû le voir dans le titre, hein. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de disparitions quand même, de plus en plus. Puis alors, le problème, c'est qu'on ne retrouve pas les gens. Ah, vous allez me dire, bah oui, mais s'ils ont sont disparus, c'est normal. Bah oui, mais bon, on peut aussi retrouver, bah, on peut retrouver des corps, malheureusement, mais enfin, on peut quand même donc les retrouver. Or là, il s'agit de gens qui disparaissent, comme par enchantement. Voilà, à croire qu'ils se sont vraiment dissous ou évaporés. C'est bizarre. Parce qu'avec toutes les techniques dont on dispose, on devrait quand même, eh bien, pouvoir retrouver certaines personnes. Alors, il s'agit de Françoise Bouteau et Marie-Pierre Harfel. Or, vous avez dû en entendre parler, ce sont deux personnes qui sont parties alors en vacances, hein, sur une île. Alors, l'île des Cyclades qui s'appelle Sikinos. Donc, deux dames, 60, 64 et 73, je crois bien. Elles ne se connaissaient pas, elles se sont rencontrées sur l'île, elles ont sympathisé et elles ont décidé, eh bien, de faire une randonnée, une excursion. Et on n'a plus de nouvelles depuis alors le 12 juin et le 14 juin, le gérant de l'hôtel dans lequel était descendue Françoise a reçu un appel de celle-ci qui se montrait en photo en disant qu'elle était tombée. Et puis c'est tout, on n'a rien d'autre, voilà. On en est là. Alors, j'ai le chat qui miaule là. Ah, j'ai une carte qui a failli se retourner. Donc, on va faire le jeu de haut. On va prendre ben, les. D'abord, on va regarder Françoise et puis on va regarder ensuite Marie-Pierre. Alors, bon, je vais demander et on va voir, hein, avec mon intuition. Bon, j'ai des choses qui sont. Bon, elle est cachée. Hein, d'accord? Bon, elle vient de tomber la carte. Donc, ça, c'est la carte du secret, de ce qui est caché. Donc, apparemment. Elle est dans un endroit, on va dire, difficile à trouver. Attendez, je vais brancher un peu le téléphone. Voilà. Alors, on va demander. Françoise, qu'est-ce qui vous est arrivé? Donc, le 14 juin, parce que le 12 juin, on n'a plus de nouvelles de Marie-Pierre, donc l'autre personne. Mais le 14 juin, encore une fois, on a un message de Françoise, comme je vous l'ai expliqué, je vous mettrai la photo. Et puis voilà, c'est tout. Alors sachez il faisait très chaud là-bas, que évidemment il y a des touristes qui meurent de suite de la chaleur, voire qui peuvent avoir des accidents, mais enfin généralement on les retrouve. Allez, Françoise. Alors le temps qui passe, deux personnes. Bon, alors ça peut montrer effectivement ben, Françoise et Marie-Pierre. Bon, c'était pas en voiture, mais enfin, c'est quand même une carte qui montre deux personnes. Donc, elles étaient bien ensemble. Alors, le timing, ouais. Ça m'a fait penser quand même qu'il fallait se dépêcher, là. Ça fait 2 mois, hein. Alors, se dépêcher, bon, ça me paraît quand même un peu, ouais, un peu compromis, cette histoire. Mais bon. Alors, Françoise, qu'est-ce qui vous est arrivé le 14 juin?
On va regarder un petit peu si j'arrive à saisir des infos. Hein. Vous savez comment la cartomancie fonctionne. Hein. Enfin, j'espère. Ah oui, alors les commentaires désagréables en disant que je vais finir en enfer. Épargnez-vous cela, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Hein. Bon, voilà. Ne jugez pas si vous ne voulez pas être jugé. Hein. D'accord? Ok. Alors, des cartes sur table. Bah oui, justement, c'est ce qu'on est en train de faire. Alors là, il y a deux personnes qui prennent un chemin différent. Ok. Il y a une personne avec un masque. D'accord. Oh là, une main tranchée. Donc là, ça peut montrer une blessure et de l'eau. Bon, alors. On peut mettre des grandes cartes hein, aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si je prends les miens, les miennes de cartes, pardon. Ou les miens de mots, j'allais dire. Ou ceux du jeu de haut. Ouais, on va prendre ceux du jeu de haut. Alors, ça peut montrer que, en fait, au moment de cette excursion, eh bien, Françoise et Marie-Pierre ont décidé de prendre un chemin différent. C'est possible, hein, pourquoi pas. Qu'elles ont décidé de se séparer à ce moment-là et de se dire, eh ben, on se retrouvera à tel point, enfin, vous voyez. Mais on va demander. Alors, il y a quand même quelque chose, là. On va la retourner tout de suite. Ah, mentir. Tiens, mentir. Ok. On va mettre une carte ici sur le clown. Pourrir. Ah bah, dites-toi. Bon, ça commence bien. Et là, sur la main tranchée, s'accrocher. Ok. Une main tranchée et on a s'accrocher. Alors, sur le tourbillon, c'est intéressant parce que c'est une carte d'eau. Or, elles étaient sur une île. Chagrin. Et au milieu... Alors, au milieu, normalement, ça devrait représenter Françoise. Partagée. Bon. Il y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé. Hein. Entre, je pense éventuellement entre les deux personnes. Entre les deux personnes, il y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé. On va remettre des cartes quand même. Mais là, mentir. Mentir et pourrir. Bon, avec le clown, c'est pas une carte que j'aime, hein, le clown. Parce que, d'abord, j'aime pas les clowns, mais c'est surtout que la personne porte un masque bienveillant. Donc là, on a l'impression qu'il y a une personne qui avait un masque bienveillant, mais qui était pourrie. Donc qui était mauvaise, quoi. On va demander. Alors, je ne dis pas que c'est l'autre personne. Hein. Ça peut être une tierce personne. On va regarder. Tiens, oui, on va regarder ce qu'il nous dit là. Ouais, oh là là. Bah, il y a une mauvaise rencontre là. Ou alors, il y a eu dispute entre les deux femmes, mais j'ai pas l'impression. Je sais pas. J'ai pas l'impression que ce soit elle, moi. Je me demande s'il n'y a pas une autre personne. Enfin bon, peut-être que je me trompe. Peut-être que c'est effectivement une dispute entre les deux. Stupide. Alors, Françoise aurait-elle fait confiance à une mauvaise personne qui lui aurait menti par rapport à un chemin à prendre, par exemple. Parce que j'ai changement. Il y a comme s'il y avait eu un changement dans les projets, là. Quelque chose qu'on a décidé de faire et finalement on ne fait pas. Je vais demander, est-ce que cette personne-là est un homme ou pas? On va demander là. De qui il s'agit? De deux personnes qui courent. Aïe. De deux personnes qui courent ou qui marchent, hein, qui font l'excursion. J'espère que c'est pas un problème entre les deux dames. Hein. C'est ça le... Vous voyez ce que je veux dire? Aider. Aïe, aïe, aïe. Est-il possible qu'il y ait une dispute entre les deux? Que ça se soit mal passé? Et que finalement, eh bien, il y a eu... voilà. Un gros problème entre les deux femmes. Donc là, comme je parle de Françoise, eh bien, ce serait Marie-Pierre ici qui aurait finalement un masque de gentillesse et qui ne l'aurait pas été. Ça m'embête de dire ça, mais enfin, c'est bizarre quand même. Ou alors,
Une autre possibilité, c'est que les deux ont eu un accident, elles se sont faites mal, et qu'une tierce personne soit venue et qu'elles ont fait confiance à cette tierce personne. Mais il y a quelqu'un de mauvais ici. Vous voyez, stupide. Moi, je dirais stupide d'avoir fait confiance à cette personne qui avait l'air bienveillante et qui était pourrie. Parce que j'ai quand même quelqu'un là qui vient aider. Vous voyez, aider en courant. Alors, ça sent pas très bon cette histoire, hein. S'accrocher. Bon, pour moi, là, quand je parle de Françoise, s'accrocher, je pense qu'elle s'est faite mal et qu'elle a essayé, pardon, de s'accrocher à quelque chose. Alors, soit de s'accrocher pour tenir, soit de s'accrocher à un arbre ou à un buisson, enfin, vous voyez. Mais là, une main tranchée, c'est qu'elle s'est faite mal, hein. Donc, soit elle n'avait plus de force dans les mains, soit elle s'est cassé quelque chose, ce qui montrerait qu'elle a un problème, elle a eu un problème ici, pour remonter la pente, parce que moi j'ai l'impression qu'elle est tombée. Chagrin, donc là c'est quelque chose dont elle n'arrive pas à sortir. Alors ce qui est bizarre, c'est que j'ai partagé ici. Partagé, regardez. On va quand même remettre une carte ici. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Une corde. Ok, une corde. Je vais remettre encore des mots. Chef. Ah. Le chef, c'est quand on prend la tête d'une expédition, pourquoi pas, hein? En tout cas, quand on a un rôle de commandement, partagé et chef. Alors, on partage des informations et il y a quelque chose de l'ordre de vouloir prendre la tête des opérations. Alors, on va regarder ici. Un accident. Oui, il y a eu un accident. Hein, ouais. Donc, à mon avis, en tout cas, ce qui est sûr, en ce qui concerne Françoise, elle a eu un accident. Oui. Oui. Attitude. Alors, à cause de son attitude, pourquoi pas? Écoutez, on va poser les questions franco. Y a-t-il eu dispute entre les deux femmes? Voilà. Attendez, je vais remettre ma tablette. Donc, est-ce que Françoise s'est disputée avec Marie-Pierre? Parce que vous avez quand même ici la carte de criminel, ici, qui est sortie, donc de la personne mal intentionnée. Personne mal intentionnée qui porte le masque de la gentillesse ou de la bienveillance. Vous voyez, il y a quand même quelque chose là. Alors, est-ce que tout s'est bien passé entre les deux personnes, entre Marie-Pierre et Françoise? Ouais, j'ai l'impression qu'il y a eu problème entre les deux, hein. Regardez, là, on étudie quelque chose, donc il est possible qu'elles aient étudié leur itinéraire, par exemple, avant de faire cette expédition. Et puis, il y a quelque chose là. Ça s'est pas bien passé. Un cycle. Ok. Alors, en plus, elles étaient dans les Cyclades, hein. Le cycle, ça m'a fait penser à ça, moi. Colère. Ah écoutez, ça sort bien, hein. Bon, il y a eu un problème entre les deux, hein. Mais j'ai posé la question, hein. Bon. Alors, reprenons. On partage des informations ici. On met carte sur table. Alors on partage. Oui. Hein. Mais il y a en fait la notion de vouloir être chef, avec peut-être imposer des directives. Ouais, c'est possible que Françoise ait une attitude autoritaire, par exemple, puisque le chef s'est sorti ici sur elle. Bon, alors il est possible qu'il y ait effectivement. Qu'effectivement, il y a eu un problème, puisque j'ai quand même la colère avec la violence. Alors, cycle. Moi, je pense que il y a la notion ici d'intelligence ou de connaissance là. Alors, est-il possible, par exemple, que Françoise ait dit, eh ben, on va faire comme ça parce que j'ai plus d'expérience, par exemple. Ça fait longtemps
C'est aussi le cycle, hein. Ça fait longtemps que je fais ce genre de randonnée. Et bon, voilà, donc j'impose un peu le chemin à suivre, la direction à prendre, la manière de faire. Alors, c'est une hypothèse. Mais enfin, il y a peut-être un discours comme ça. Et ce sont les cartes qui me donnent à penser que partager chef, on partage les informations, mais on joue le rôle de chef avec la notion de contrainte. Alors, ici, encore une fois, ben, il y a eu un désaccord. Il y a eu un désaccord avec de la colère et on en est venu aux mains. Ce qui pourrait expliquer pourquoi, eh bien, il y a eu une attitude qui a entraîné finalement un accident, parce que effectivement, on a bien un message de Françoise qui dit qu'elle est tombée. Donc, accident. Et finalement, eh bien, est-ce que ça veut dire que l'autre personne l'aurait laissée? L'aurait laissé et ne serait pas venu l'aider. Quoi qu'on a l'impression qu'au contraire, elle est venue l'aider en courant. Mais regardez, j'ai quand même la carte du criminel là. C'est bizarre. Alors, mettons l'hypothèse qu'effectivement, donc Françoise soit tombée, elle soit disputée, elles en soient venues aux mains, il y en a une des deux qui a poussé l'autre, enfin bref, et que effectivement, eh bien, Françoise soit tombée. On va demander, qu'est-ce qu'a fait Marie-Pierre? Alors ça, c'est l'excursion. Le miroir, c'est la tromperie. Ah, mais ça, c'est les deux personnes ensemble quand même, hein? Mais il y a tromperie. Alors attendez, non, c'est celle-là que je vais prendre. Qu'est-ce qu'a fait Marie-Pierre? Pourquoi j'ai le miroir? Résister. Sur les deux femmes, qu'est-ce qu'on a? La mère. La mère. Bon, je vais mettre une autre carte parce que là, j'avoue qu'elle n'est pas, elle n'est pas très claire. À l'homme. Alors, l'homme et la mère. Ça ne veut rien dire, ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Expert. Alors là, il me vient une autre hypothèse. Il me vient une autre hypothèse. Il me vient une autre hypothèse. Oui. Est-il possible, effectivement, mettons, qu'elle se soit disputée? Oui. Parce que j'ai quand même colère. Que Françoise soit tombée et que Marie-Pierre soit partie chercher de l'aide. Et qu'elle ait fait confiance à une mauvaise personne. Ce qui pourrait expliquer pourquoi j'ai stupide. Alors, mère, vous savez quoi? Moi, ça fait penser à la mère. Pas la mère, M-E-R-E, mais la mère. Est-il possible qu'elle ait fait appel à un pêcheur, par exemple? Vous voyez ce que je veux dire? Alors, un homme expert, ben, moi, ça fait penser quand même à un homme avec de l'expérience. Hein. Voyez ce que je veux dire? Alors, écrire et séparer. Donc, écrire ou communiquer et séparation. Donc là, on communique et on se sépare. Moi, je me demande si... Si Françoise n'a pas été chercher de l'aide et si elle n'a pas finalement fait confiance à une mauvaise personne, c'est pour ça que vous auriez ici, eh bien, le criminel et il a été stupide de lui faire confiance. Bon, donc le chagrin, ben voilà. Le chagrin, quoi, quelque chose dont on ne se sort plus. Alors je sais bien que c'est une hypothèse un peu bizarre, mais... D'après mes cartes, elle se serait disputée, pardon, elle se serait disputée pour une raison ou pour une autre. Ce qui aurait provoqué, eh bien, la chute de Françoise et Marie-Pierre, eh bien, aurait été chercher de l'aide et serait tombée sur quelqu'un, un homme auquel elle aurait fait confiance, mais qui n'aurait pas été digne de confiance.
Bon, c'est déjà une base de départ. Alors maintenant, on va regarder du côté de Françoise. Hein. Attendez, je range tout mon jeu et on refait le reste du tirage. Alors cette fois, on va faire la même chose, mais cette fois, je vais me concentrer sur Marie-Pierre. Alors Marie-Pierre. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a eu une intervention d'une tierce personne. Bon. Françoise, par rapport à Marie-Pierre. On va regarder la coupe. Alors, solitude, tristesse. Oups, pardon. Une place vide. Quelqu'un qui manque. Bon, ok. Maintenant, Marie-Pierre, dites-nous un petit peu ce qui s'est passé lors de ce fameux 12 juin ou 14 juin, puisque c'est la dernière fois qu'on a eu des nouvelles de votre amie Françoise. Donc on va faire pareil. Hein. Donc cette fois, Marie-Pierre. La police. Tiens. La violence, ça ressort. Le poignard dans le dos. Le temps. Ah, le clown qui ressort. Pourtant, je les ai mélangés. Hein. Bon. Alors, j'ai remélangé là aussi. Trahison. Hein. Toujours ce clown. Hein. Et cette fois, on a un gendarme. La haine. Oh. Qu'est-ce qu'on a sur la trahison? Chez soi. Enfant ado, tiens, c'est curieux. Enfant ado, que ça vient faire là? Un jeune homme peut-être menacé. Et là, sage. Alors, un ado ou un enfant. Donc ça voudrait dire un jeune homme, quoi. Un jeune homme qui serait venu, un jeune homme chez soi, donc un jeune homme, pardon, un autochtone, comme on dit, c'est-à-dire un jeune homme, pas un étranger, mais un habitant de l'île, voilà, chercher le mot, un habitant de l'île qui finalement aurait agressé ces deux femmes, menacé. Un enfant qui a l'air sage, un enfant, enfin un enfant, un ado, hein, parce qu'un enfant, moi je veux dire un jeune homme. Un jeune homme, parce que j'ai pas de carte de jeune homme. Un jeune homme qui a l'air gentil ou qui a l'air sage, qui porte un masque de clown et qui en fait, eh bien, agresse. Agresse Marie-Pierre, puisque là je suis en train de faire Marie-Pierre. Il agresse et il menace. La haine du gendarme. Qu'est-ce que c'est que ceci? Bon, je pense quand même qu'elles se sont disputées. On va demander, est-ce que vous vous êtes disputée avec Françoise? Oui, donc là, on a bien les deux personnes qui courent, enfin qui marchent. Hein, oui. Une séparation. Il y a une séparation entre les deux. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai la carte. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette carte-là. Accident. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai quand même l'impression que les choses ne se sont pas bien passées. Une dette ou de l'argent. Oui. Un cycle, bah là aussi. Les cycles ou les cyclades, bon d'accord. Bon, bah écoutez, moi je pense qu'elles n'ont pas pris le même chemin. Donc la carte que j'avais tout à l'heure où je voyais deux personnes qui se séparaient, il y en a une qui allait vers un chemin et l'autre qui allait vers un autre chemin. Moi je pense qu'elles se sont disputées. Ah oui, c'est peut-être ça en fait. Elles se sont disputées, ce qui fait qu'elles se sont éventuellement séparées. Alors, est-ce que ça peut être ça? Réfléchissons. Mettons qu'elles prennent un chemin différent. Et puis, que l'accident ait lieu après
que chacune ait pris un chemin différent. Mais ça voudrait dire que finalement, Marie-Pierre serait revenue sur ses pas, puisque elle aurait vu que Françoise aurait été tombée. Enfin, serait tombée. Non, ça va pas. Bah non, si elle est partie loin, elle peut pas s'apercevoir que Françoise a eu un accident. Donc ça va pas. Donc non, c'est pas ça. À mon avis, elles se sont vraiment disputées. Elles se sont vraiment disputées et il y a eu violence. Comme j'ai dit tout à l'heure. Et que Marie-Pierre est bien partie chercher de l'aide et qu'elle est tombée sur quelqu'un qui avait l'air gentil ou sage, on va dire, quelqu'un d'assez jeune et qui finalement les a agressés. Je crois que c'est plutôt ça. Quelqu'un peut-être qui voulait de l'argent de la part de ces deux femmes, qui les a menacées parce qu'il voulait de l'argent, mais comme elle n'en avait pas de l'argent, eh bien elle est devenue violente. Parce qu'on avait la haine. Il n'a pas voulu appeler non plus la police ou les gendarmes. Bon, ça devait être un truc comme ça, hein. Devoir. Oui. Accident. Il n'a pas voulu appeler de l'aide. Bon, ok. Donc, c'est une hypothèse de départ, hein. D'accord? Donc, elle se dispute. Marie-Pierre tombe. Françoise va chercher de l'aide et elle fait confiance à la mauvaise personne, plutôt un jeune. Un jeune qui les menace, qui veut de l'argent, mais elles n'en ont pas. Hein, on a ici. Elles n'en ont pas. Alors, qu'est-ce qui se passe après? Bon, on va ranger ça. Qu'est-ce qui se passe après? Que sont-elles devenues, ces deux femmes? Parce que. Alors, qu'est-ce qui vous est arrivé après? Où êtes-vous? Donc là, je fais les deux en même temps. Ah ben d'accord. Oh là là. J'ai la carte qui est tombée tout de suite là. Alors là, vraiment, bonjour, hein. Attitude, changement, la vérité. Je crois que je vais aller prendre des cartes du mien. Mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Où êtes-vous maintenant? J'ai ça. La mort. Alors, le lit, c'est le secret, le repos. Le repos, hein, le repos, la mort, c'est pas très bon ensemble. Changement. À mon avis, elles ont changé d'endroit et elles ont été emmenées quelque part avec d'autres personnes. Parce que là, on fait rentrer les moutons dans un enclos. Enfin, comment est-ce possible? Attendez, j'arrive. Hein. Bon, alors. Des gens qui mentent. Il y a une espèce d'escalier en colimaçon. Donc, des gens qui mentent. D'accord. Des gens qui ne disent pas la vérité sur l'île. Donc, ça voudrait dire, est-ce que vous avez été emmené quelque part? Oui. Il y a une imprudence qui a été faite. Il y a une imprudence qui a été faite. Et ils sont tombés sur des gens qui sont mauvais. Je vais mettre des mots là aussi. Coupable. Bon, il y a des gens qui n'ont pas de cœur qui sont coupables. Où est-ce qu'on vous a emmené? Confirmation. Alors, confirmation qu'on les a emmenés. Hein. Confirmation qu'on les a emmenés quelque part. Oui. Risque. Bon, là, c'est effectivement elles qui ont pris un risque. Hein. Les deux cartes vont ensemble parce que c'est la carte de l'imprudence. Pourquoi est-ce qu'on vous a emmené quelque part? Les pompiers, le feu.
La montagne. Bon, effectivement, ça c'est l'île. Révélation. Nouveau. On les a emmenés dans un nouvel endroit. Hein. Oui. Faut dire deux cartes qui sont tombées. Ah, attendez. Celle-là, elle s'est retournée. C'est les trafics. Des gens qui font des trafics. Ça, c'est quoi? Bon, oui, le pompier. Bon, bah, elles sont tombées sur des gens. Sur des gens mal intentionnés. Hein. Des gens les ont vus en mauvaise posture. Qui les ont enlevés. C'est fou quand même ça. Il y a la notion d'échelle aussi, en tout cas de groupe de personnes ici. Les pompiers, ils arrivent pour vous sauver normalement, hein. Sauf que là. Ouais. Sauf que là, c'était pas pour les sauver. Donc elles sont tombées sur des gens qui au lieu de les sauver, eh bien, les ont enlevés. Voilà, c'est ce que je vois, moi. Déception. Bah oui, elles ont fait confiance et donc elles ont fait confiance, elles n'auraient pas dû. Au lieu de devoir les sauver, eh bien bon. Donc elles ont été enlevées, moi je pense. Voilà. Oh, ça y est, j'ai le chat qui braille. Bah viens, Doudou, viens, Toufi, viens. Le chat qui braille. Bon, bah écoutez, voilà ce que je peux vous dire. Hein. Ça fait une enquête un peu compliquée, un peu difficile, mais il y a des tierces personnes. Et au départ, je pense qu'il y a eu dispute ou désaccord entre les deux. Voilà. Et qui a causé un accident, une chute certainement. Et il y a d'autres personnes qui sont arrivées. Donc on peut faire confiance. Il n'y a plus de bons samaritains. On ne peut pas faire confiance aux gens. Voilà. Alors, est-ce qu'on va les retrouver? Ben, vous avez vu quand même, j'avais la tombe qui est sortie, moi. Bon, ben, ça, c'est bien l'île. Hein. Ah, j'ai des labos après. Ah, ben, sympa. Une union. La mer. Bon, il y a un bateau, là. Il y a un bateau. Donc, il est possible qu'on les ait emmenés en mer. Hein. Bah, apparemment, ils sont plus sur l'île. Hein. Il y a quand même eu des recherches. Alors, une union. Alors, pourquoi j'ai des labos ici? Je ne sais pas. Retour de bâton. Oh, bah, d'accord. Bon, écoutez, ça devient macabre. Hein. Mais j'ai bien l'île qui est sortie. J'ai des analyses, des expériences. J'ai l'union de plusieurs personnes. Ou alors, ce sont ces deux femmes qui sont ensemble. L'appel des sirènes, pour moi, c'est quand justement on va vers un danger qu'on ne le sait pas. J'ai des marins. Hein. Et là, bah, retour de bâton. Donc ça s'est retourné contre elle. Et voilà. Bon. C'est une hypothèse. J'insiste. Hein. Ce n'est qu'une hypothèse. Moi, j'espère qu'on les retrouvera. Mais enfin, ça fait 2 mois quand même, pratiquement. Hein. C'est un peu long. Sachant qu'ils ont. Que les gens qui ont recherché ces deux femmes. Ont utilisé aussi des drones thermiques, c'est-à-dire que ça permet de repérer les gens qui ont de la chaleur humaine, donc la chaleur du corps. Hein. Or là, il n'y a rien eu, quoi. Donc, c'est à mon avis, elles sont plus là. Hein. Je ne crois pas qu'elles soient tombées toutes les deux et qu'on ne les ait pas retrouvées, quoi. À mon avis, il y a d'autres personnes qui sont intervenues mal intentionnées. Voilà. Voilà. Bon, on va faire les autres tirages. Merci d'avoir regardé. Bah, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc, il faut vraiment faire attention à qui accorder sa confiance. On va prier pour ces deux dames et surtout pour la famille également, qui, j'espère, un jour aura des réponses. Merci d'avoir regardé. À bientôt. Au revoir.